最近ゲームがつまらない、はまらない、そんな噂が飛び交ってるけど、それはソフトのせいじゃない、ハードに限界があったからだ。セガメガドライブ16ビット CPU 搭載、限界のバリアをぶち破って、見せる、迫る、うなる、ビジュアルショック、スピードショック、サウンドショック、時代が求めた16ビット、セガメガドライブ。Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV pour une nouvelle émission. Aujourd'hui consacrée à un ordinateur mythique, l'Amiga 1200. Je sais, je fais un peu redit, je fais un peu de propagande, de placement de produit, tout ce que vous voulez sur l'Amiga 1200. Mais on s'en fiche parce qu'il n'est plus commercialisé. Donc voilà, en plus c'est la version pas belle avec un clavier tout jaune. Mais c'est par pur plaisir, par pur bonheur, rien que pour embêter les possesseurs d'Atari ST. Voilà, donc je le présente quasiment tous les jours. Mais voilà, on va parler en fait aujourd'hui d'une machine made in Sega. Parce que, comme j'ai déjà dit, Amiga rime avec Sega. Donc il est logique de faire cette transition. Avec une machine mythique, The Mega Drive. La Genesis aux États-Unis. Donc, à travers cet ouvrage sorti chez Geeksline, le culte du jeu vidéo, rien que ça. Alors, un très bel ouvrage, sorti à l'occasion des 25 ans de la Mega Drive. Alors, c'est du très très beau, hein, pas simplement parce qu'il est couleur or, mais aussi parce qu'à l'intérieur, voilà, il y a des visuels superbes. C'est vraiment du très très beau, du très très beau livre. Bon, là, les visuels sont un peu moins sympas. Bon, c'est pas de ma faute, hein, je viens de la page au hasard. Mais bon, voilà, il y a énormément de choses à découvrir. Je suis sûr que vous-même, qui êtes fan de la Mega Drive, vous ne connaissez pas beaucoup de choses qui sont incluses dans cet ouvrage. Alors, cerise sur le gâteau, ce livre était accompagné d'une enveloppe collector que je vais dévoiler sous vos yeux. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je me pose cette question. Oh, damned, le scratch s'ouvre. Et voilà, on a des superbes illustrations. Alors, celle-ci, elle est magnifique, hein. Bon, c'est vrai que je pourrais vous la montrer, mais je préfère la regarder en primeur. Ouais, fantastique, hein. Vous loupez quelque chose. Hein. Bon, allez, comme je suis sympa, je vais vous la montrer. Voilà, c'est Shinobi chez nous. Donc, Shinobi, illustration de la jaquette de Shadow Dancer de John Sato. Voilà. Ça date de 90, hein, quand même. C'est pas tout nouveau. Hein. À l'intérieur, là encore, quelque chose d'absolument fabuleux, hein, que j'aimerais vous montrer, mais c'est peut-être secret défense, donc je ne sais pas. Bon, je vais quand même vous le montrer parce que je suis un rebelle et que je suis un petit peu fou. Donc ce sont les plans secrets de la Mega Drive. Donc si vous voulez refaire chez vous une Mega Drive, bah, voilà, vous avez les plans qui sont inclus. Vous pourrez en fabriquer une chez vous grâce à ce plan. Si vous êtes électronicien, bien sûr, parce que si vous ne l'êtes pas, ça va être compliqué. Autre image absolument sublime à l'intérieur, franchement elle vaut le coup d'œil, hein, et je pense que je vais vous la montrer. Street of Rage, voilà, tout simplement magnifique, hein, avec une sorte d'imitation d'Arnold Schwarzenegger, une belle nénette avec des gros nénés comme on aimait en voir dans les années 80, et puis des mecs balèzes, hein, et puis il y a même un mec qui crache du feu, donc voilà, ça impressionne toujours les enfants. Avec derrière des éclairs, puis là il y a une moto qui passe, enfin voilà, un visuel de fou, hein. Un visuel de dingue. Et puis là, bon, un petit kid, hein, voilà, avec sa casquette à l'envers, parce que bon, voilà, faut être branché, faut être rap attitude. Donc voilà. Bon, après c'est un peu moins sympa, c'est un peu plus chargé, j'aime beaucoup moins. C'est Alien Storm, hein, donc bon, vous voyez, c'est pas génial, hein. Bon, j'ai des bouches béantes. Bon, une nénette sympa en combinaison avec un laser. Bon, bref, c'est pas mon jeu préféré. Bon, ben voilà, c'est cadeau, c'est inclus, donc on va pas faire la fine bouche. Là, on passe à du culte de chez culte, hein, Golden Axe 1989 avec une superbe illustration, datée de 1989, toujours très sympathique. Le cultissime Altered Beast, donc là, 1988, hein, ça ne nous rajeunit pas. On passe en fait maintenant à un jeu qui a défrayé la chronique à l'époque, Virtua Racing et sa fabuleuse 3D. Donc à l'époque, bah évidemment, on était tous bluffés, on se disait « on pourra jamais faire mieux que ça, c'est de la 3D de fou !» Et bon, bah, depuis, ils ont fait beaucoup mieux, et bon, Virtua Racing est maintenant relayé aux antiquités sympathiques, hein, sur lesquelles on aime bien revenir de temps en temps.
Alors là, voilà, là c'est le quiz spécial. Qu'est-ce que c'est que cette illustration? Donc vous avez 3 secondes pour la découvrir. 3, 2, 1, 0. Vous n'avez pas découvert de quel jeu il s'agissait. C'était bien évidemment Landstalker, le fabuleux jeu de rôle action de Sega. Donc voilà, illustration de Yoshitaka Tamaki. Voilà, bon. On le sait tous, hein, donc c'était Tamaki qui l'avait fait, mais bon, voilà. Je préférais bien relire avant. Donc ça date de 92, hein, mine de rien, voilà, ça date aussi. Là, une illustration de Greg Martin, hein, la mascotte qui fit quelques frayeurs à Nintendo et son légendaire plombier. Donc Sonic, hein, dans une version pinball, avec l'illustration effectivement américaine qui va bien, Greg Martin. Et on termine avec un classique du genre, hein, bon, The Super Shinobi. The Super Shinobi. Donc c'était l'enveloppe ben, qui était offerte à l'occasion des 25 ans de la Mega Drive. Donc un cadeau, ben, ma foi, fort sympathique, hein, on va pas s'en priver. Et on y revient tout de suite. Mine de rien, en 2018, l'année prochaine donc, la Mega Drive fêtera ses 30 ans. Alors là, je vous propose de parler d'un livre qui fête son 25e anniversaire, sobrement intitulé Mega Drive 25e anniversaire, qui est sorti aux éditions Geeksline et qui narre l'histoire de la Sega Mega Drive, et bien évidemment qui fait un petit rappel sur les précédentes consoles de Sega. Alors bien évidemment, nous on connaît surtout la Sega Master System, hein, qui fut la rivale de la NES, mais il faut bien dire que le grand succès de Sega, ça a été bien évidemment la Mega Drive, hein, qui s'est imposée grâce à un processeur puissant, le Motorola 68000, qui a permis ben, d'offrir des graphismes qui créent la différence avec la NES. Alors ensuite, Sega a lancé toute une palette de consoles pour, ben, voilà, pour faire perdurer un petit peu ce succès. Même si chez nous, bah, c'est vrai que la console est arrivée un peu tardivement, elle est arrivée en 90, soit 2 ans après sa sortie japonaise, et peut-être un peu trop proche de la sortie de la Super Famicom, qui bah, effectivement a repris le leadership en Europe. En tout état de cause, bah, la Mega Drive a copié aussi la NEC PC Engine en ayant un lecteur CD. NEC avait sorti sa console en 87. La Mega Drive est sortie en 88, NEC a enchaîné directement avec le premier CD-ROM, et bah, Sega a tenté de rivaliser avec NEC en sortant son Sega CD, mais malheureusement il n'a pas rencontré le succès escompté, même si, comme vous voyez à l'écran, il y a eu plusieurs versions du Mega CD ou du Sega CD qui sont sorties, y compris chez des constructeurs tiers comme JVC qui avait fait le Wonder Mega, donc une version différente du Mega CD, qui était bien sûr parfaitement compatible avec les jeux Mega CD, mais JVC étant le concepteur du Mega CD, ils avaient obtenu ses droits. La Mega Drive a connu effectivement plein d'itérations, hein, notamment une version portable appelée la Nomade, une console bah, qui effectivement était là pour rivaliser avec la PC Engine GT, et malheureusement, bon, elle n'a pas vraiment réussi, même si techniquement elle tenait la route. Elle n'a pas fonctionné à cause d'une autonomie qui était un petit peu défaillante. Le point fort de Sega, ça a été surtout de nouer des licences très intéressantes, hein, que ce soit avec Ayrton Senna ou Michael Jackson, mais aussi plein de sportifs américains comme Joe Montana, Douglas, le boxeur, enfin bon bref, il y a pas mal de stars qui ont rejoint Sega et qui bah, ont permis à Sega de s'imposer sur le marché américain. Alors ça a été effectivement un point très positif pour eux, parce que autant au Japon c'était la débandade totale, comme c'est narré dans le livre, avec effectivement bah, le leadership toujours assumé par Nintendo avec sa Famicom, derrière l'outsider PC Engine qui cartonnait, hein, avec plus de 10 millions de consoles vendues sur l'archipel. Et bah, au Japon, malheureusement, bon, elle n'a pas réussi à s'imposer, mais elle a connu un très grand succès aux États-Unis, où elle a dépassé la Super Nintendo, la Super NES américaine, avec pas moins de 20 millions d'unités vendues rien qu'aux États-Unis. Donc contre les 4,30 millions d'unités vendues au Japon,
Ah, la différence était colossale. En Europe, ça s'est plutôt bien vendu, près de 7 millions de machines vendues. Le marché français était très réactif, hein. Ça marchait plutôt bien chez nous, où on était sur un ratio de 55-60 pour la Super Nintendo, et forcément le reste pour la Super Nintendo, de la Mega Drive, pardon. Donc c'est une machine qui a plutôt bien marché, hein. Comme je dis, c'est le plus grand succès de Sega. Et le livre rend hommage à cette console mythique avec un livre de 336 pages dans une édition très luxueuse, avec beaucoup d'inserts en couleur. Il y a 16 pages au total qui se déplient pour découvrir des plans, voilà, des visuels particuliers. Le grammage du papier est franchement très agréable, hein, c'est entièrement glacé, et bon, comme vous pouvez le deviner, c'est plutôt agréable au toucher, hein. Derrière, on a une trentaine d'interviews des acteurs de l'époque de la Mega Drive, des documents de conception assez surprenants, hein, parce que voilà, c'est quand même intéressant de voir un petit peu comment ils avaient conçu cette console. David Perry, hein, qui avait fait Aladdin et puis Earthworm Jim, a signé la préface de cet ouvrage, dont la collection est dirigée par le fameux GM Destroy. Donc les anciens s'en souviennent, hein, c'est un journaliste chez Joystick, dans Joypad, Playmag, Megaforce, enfin voilà. C'est vraiment une figure des jeux vidéo de l'époque, hein. C'était vraiment un journaliste qui était très apprécié. Et donc il s'est un petit peu reconverti dans cette superbe collection. Et il nous offre, avec ce Mega Drive 25e anniversaire, un superbe ouvrage. Donc on a en bonus, comme je l'expliquais en introduction, des visuels plutôt sympathiques, hein, qui étaient offerts à l'occasion de cette sortie de livre. Et puis à l'intérieur, hein, comme vous le constatez avec les images qui sont diffusées à l'écran, vous avez beaucoup de visuels inédits, hein, puisqu'en fait ils sont. Voilà, c'est les artworks de l'époque, avec je dirais des focus qui sont faits sur les jeux emblématiques de la marque, hein, que ce soit Alien Storm, Golden Axe, Street of Rage, enfin voilà, pas mal de jeux qui sont mis en avant. Et puis, bien évidemment, hein, le fameux Sonic, hein, puisque Sonic a connu un très grand succès sur cette machine. Je crois qu'il s'est écoulé au total plus de 15 millions de Sonic sur Mega Drive. Donc vraiment le gros carton de cette machine, puisqu'en fait Sonic s'est vraiment imposé comme le rival sérieux de Sega, de Nintendo, pardon. Et bien évidemment de sa mascotte fétiche Mario. Donc derrière, forcément la Mega Drive était destinée à convertir les jeux d'arcade, puisqu'en fait c'est la petite sœur du système 16. Le système 16 qui tournait avec deux processeurs 68000. Voilà, là sur la Mega Drive on n'en avait plus qu'un. Quoique avec le Mega CD, on s'est retrouvé avec deux processeurs 68000, plus un processeur supplémentaire qui était destiné à avoir les mêmes effets que la Super Nintendo. D'un point de vue architecture, Sega a toujours essayé de concurrencer Nintendo, puisqu'en fait, effectivement, la Super Nintendo se targuait d'avoir le fameux mode 7 et d'être supérieur en tout point à la Mega Drive. Donc forcément, ça ne plaisait pas trop aux pontes de chez Sega, qui ont sorti le Mega CD un petit peu à la va-vite, parce que derrière, on a eu toute une ribambelle d'accessoires. Je passerai sur le fameux 32X, qui était une très belle innovation, qui permettait aux gens qui n'avaient pas les moyens de s'offrir la Saturn, de patienter avec le 32X, d'économiser en vue d'acheter prochainement la Saturn. Mais voilà, cette stratégie n'a pas vraiment été payante, parce que les joueurs étaient impatients de jouer à la Saturn. Se contenter d'un 32X, c'était bien, mais ça n'a pas rassuré les éditeurs tiers qui
a préféré attendre la sortie de la future console de Sega plutôt que de développer et donc d'investir sur le 32X. Donc tout ça, ça a coûté très cher à Sega, hein, qui en a fait les frais. Hein. Ils ont multiplié, je dirais, les supports. Hein, comme j'expliquais, le Mega CD, le Mega CD2. À côté de ça, ils ont décliné plusieurs versions de Mega Drive, toujours de plus en plus entre guillemets économiques. Hein, la dernière Mega Drive, la Genesis 3 par exemple, n'a pas de processeur Z80. Et derrière, ça s'est essoufflé, le 32X qui va en plus des problèmes de fiabilité a sonné le glas de la Mega Drive. Et malheureusement cette console s'est éteinte de sa belle mort. Voilà, mais ça c'est une autre histoire, puisqu'après nous sommes passés à la Saturn, puis ensuite la fameuse Dreamcast, hein, et c'était déjà le début de la fin pour Sega. Mais voilà, ce livre nous permet, en tout état de cause, de revivre l'âge d'or de la Mega Drive. Et c'est un très bel ouvrage, hein, qui est donc commercialisé chez Geeksline au prix de 45€ environ. Alors c'est peut-être un peu cher, mais honnêtement, le livre en vaut la chandelle. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation et à très bientôt sur Gunnet TV.